Mesdames, Messieurs, Jean qui n'a pas suivi là, et bien justement, et bien pays Canada qui décidait et imposer des sanctions supplémentaires, hein, des sanctions supplémentaires à Elitio. Là, c'est Elitio qui a frappé là. Nous parlons des élites, nous parlons de ces politiciens et techniquement, nous connaissons aussi dans toute vie bagaille. Mais si pour nous arrêter tout d'abord avec Ronnie Célestin et Lionel, on nous tout d'abord attaquer Ronnie Célestin et nous connaissons qui gagne qui ici Canada et qui vaut à peu près 4,5 millions. Les amis, on nous attaque Ronnie Célestin puis par la suite, on prend le reste, monsieur. Eh bien, nous avons dit Ronnie Célestin, l'homme fort du département et du centre, qui était le même sénateur du département du centre également. Eh bien, nous connaissons Ronnie Célestin, mesdames, messieurs, non cité dans le monde qui débat l'argent pour assassiner le président Jovenel Moïse. Nous connaissons Ronnie Célestin, gagné collègue dans le département qui dans le département centre, qui même était accusé comme monde qui débat l'argent, comme monde qui impliqué dans l'assassinat journaliste Némi Joseph. Eh bien, n'a pas aidé Ronnie Célestin, qui lui-même trouvé le parmi trois personnalités politiques. Et Ronnie Célestin, ce n'est pas seulement une personnalité politique, mais aussi c'est une personnalité qui trouvé dans le secteur des affaires là, qui impliqué dans le dossier drogue d'après les dits, qui impliqué dans le dossier trafic d'armes d'après les dits. Eh bien, Ronnie Célestin, nous connaissons qui possède un CAI qui est évalué avec plus de 4,5 millions de dollars. Et dans le pays du Canada, nous connaissons Ronnie Célestin, c'est dit, si mon nez s'est senti par mon nez qui est lié, et bien Ronnie Célestin, qui lui-même dans le collimateur du pays du Canada, et bien à travers un communiqué ministre Affaires étrangères et canadiennes, par Ronnie Mélanie, qui lui-même est déclaré, et bien le pays du Canada prend sanction et contre trois personnalités, et sanction, mesdames et messieurs, sanction pour aller jusqu'à un côté pour être capable de geler tout fond. Monsieur Oguin, tout bien Oguin dans le pays du Canada, eh bien, le gouvernement canadien va geler ça et va saisir. Donc, la question qu'on se pose, est-ce qu'il y a prêt à mettre l'argent ça? Est-ce qu'il y a prêt à mettre l'argent bien ça? Bah, et peuple haïtien, nous ne connaissons pas. Mais l'essentiel, Ronnie Célestin, dans mon appareil là, qui lui-même, joue une sanction pâle après Joseph Lambert, après Yuri La Tortue, et Dimi, quand le peuple est capable de tirer de ça, non seulement. Et M. Zarote, on a dilapidé quelques états, mais aussi, Dimi, on a déblément. Comment ça fait tout dans le secteur politique là? Il y a un déblément. M. Zarote, on a occupé le secteur politique là. Eh bien, il commence à déblayer là pour faire place à l'oxygène. Même parce que je n'ai pas envie, je suis content. Je n'ai pas envie de voir la poule content dans le cadre, justement, sanctions qui ont tombé là, d'ici et d'ailleurs, contre des personnalités politiques qui ont même habitué à collaborer avec gang. Faut que nous disions. Une raison qui fait pays Canada et bien arriver sanctionner les arrêts par rapport à des gangs impliqués dans des gangs et collaborer avec gangs, et bien nous sommes capables de dire encore une fois, mesdames et messieurs, jeudi samedi 19 novembre 2022 là, la République content concernant justement information de tout ça qui a peine tombé là jeudi et samedi 19 novembre 2022 à Dimi. Oui, effectivement, mesdames et messieurs, bon là, on connaît que là son commencement. C'est un commencement, on nous commence juillet ça, et puis éventuellement pour nous demander pour l'autre. Et nous connaissons une équipe oligarque, techniquement, ils sont supposés arriver sur eux. Mais en attendant, on nous savoure le peu. Depuis quelques temps, son équipe bagaille négatif n'a pas eu. Et là, on parlait justement de Ronnie Célestin, là, on parlait de Hervé Foucan, Gary Bordeaux. Eh bien, monsieur Sayo, qui Sayo reproche entre autres, c'est parce qu'on a habitué à supporter gang. Yo kon habitué supporter et faire des activités avec monsieur Gagnon et puis yo reproché des questions de blanchiment d'argent, mesdames et messieurs, et yo reproché des sacs de rapport à corruption. Donc c'est pour bagaille qui petit, c'est pas petit, et nous même sincèrement, moi même content, on pas prendre rentrer dans logique, c'est une tête grain, non pas gain bagaille comme ça. Monsieur Sao, ça fait des années et des années que vous-même, il a crasé pays. Ça fait des années que il a encouragé gang, il a baissé armes, il a baissé munitions, faut que vous jouiez une sanction. Évidemment, éventuellement, ça n'a pas capable de rester simplement sur vous-même. Pas oublier, nous dit justement, ce sont des sanctions supplémentaires. Éventuellement, faut que vous commencez à attaquer oligarque. Oligarque, pas de négociation possible, mesdames et messieurs. Pas de négociation possible, mais tranquillement, il y a monté escalier. Hein. Tranquillement, pays Canada, pour pas dire les États-Unis, a privé sous yo. Pas oublier, il y a saisie qui a fait là.
Rony Célestin, entre autres, qui possède un cas de 4,5 millions, je nous dis, l'argent, ça, c'est pour le remettre à l'État haïtien. Je ne parle pas de le gouvernement et voler ça. Non, ce n'est pas de ça qu'on a parlé. On a parlé d'un gouvernement éventuel qui vient pour monter sérieux. Mais techniquement, eh bien, sanction ça au cap prenant, moi-même, je félicite et nous dis qu'il faut qu'il aille plus loin. Ça fait longtemps, mesdames, messieurs, ça fait longtemps que tu es supposé prendre sanction contre Mounzao. Et ça fait longtemps qu'on a demandé. Ça, c'est simplement un commencement, puis éventuellement, pour nous continuer à arriver sur l'Oligayo, monsieur, pas de nec qui est capable de dormir tranquille là. Là, nous, on nous avance, frère Pablo. Et diminuer pour tout pour nous rappeler à auditeurs, eh bien, les deux sénateurs, l'ancien sénateur Yuri Latortue du département de la Timonique et l'actuel sénateur du département du Sud-Est, Joseph Lambert, qui lui-même, monsieur, a déjà une sanction. Mais d'après l'information qu'il est, Ariel Henry a déjà reçu l'ordre pour arrêter monsieur Sayo. Eh bien, ça encore, qui c'est l'autre plus gros encore. Et si toutefois que. Et M. Sao, après sanction que l'État joigne, bon côté pays Canada avec les États-Unis, surtout les États-Unis qui ont sanctionné Joseph Lambert avec lui la torture. Donc, il faut voir ça fait quoi, Dimi? Gagner et l'autre qui a gagné pression à faire sous Ariel pour forcer la justice haïtienne à arrêter M. Sao. Donc, est-ce que dans les heures qui viennent, ou comme on attend des CPJ, c'est que Joseph Lambert lui-même, c'est un sénateur qui est en fonction, et il peut être bénéficié, c'est ce qu'on appelle. Donc, quand même, mais pour Yuri La Tortue, mesdames, messieurs, Napton, est-ce que vous pouvez procéder à l'arrestation de Yuri La Tortue? Nous, pas qu'on est, mais encore nous, terrain là qui chauffait par rapport avec l'actualité au niveau pays d'Haïti, surtout, eh bien, et sanctions supplémentaires qui baillent à trois personnalités politiques, ça, et nous parler de Garibaud également, et nous parler d'Hervé Foucan, l'homme fort du département du Sud. Nous connaissons Hervé Foucan, c'est un monde. Qui non seulement est dans le secteur politique là, mais aussi qui dans le secteur des affaires là, il y avait Foucan qui lui-même cap et il a reproché comme monde qui dans blanchissement et parce que monsieur Sayo quand même qui pourrait faire l'affaire de la population haïtienne surtout après sanctions qui prend contre eux, mais aussi monsieur Sabien pour perdre tout ça au gain dans le pays Canada. Donc ce que nous dit là, est-ce que finalement eh bien après il finit gérer les fonds monsieur Sayo tout bien, je t'ai supposé, j'ai dit là, remettre et bien justement fortune à l'État haïtien. Mais c'est pas un gouvernement qui a un gouvernement qui est illégitime, mais de préférence, il y a un éventuel gouvernement qui est capable de bénéficier de légitimité beaucoup de population. Mais on attend. Mais nous, il y a l'autre côté, Dimi, on a passé à l'information qui là concernant Pierre Espérance. Pierre Espérance qui a été auditionné la semaine dernière par la DCPJ. Pierre Espérance a été entendu par la DCPJ. Eh bien, information pas jamais véhiculée dans la presse. Pierre Espérance lui-même, après, et DCPJ fin tandel, après, il y a environ 13 plaintes qui déposent contre Pierre Espérance. Eh bien, le département d'État déjà adressé à la DCPJ via Bini pour demander rapport d'audition d'enquête qui est menée sous Pierre Espérance. Eh bien, dans mon appareil là, Pierre Espérance, l'île dans le collimateur du département d'État. Le département d'État déjà exigé à la DCPJ pour faire rejoindre justement un rapport d'audition. Là. Donc, qui s'est passé? Est-ce que finalement Pierre Espérance est-ce qu'il y a une capable de dire ou bien FBI? Est-ce que FBI va venir prendre Pierre Espérance? Nous ne connaissons pas, mais l'essentiel, Pierre Espérance, déjà, dans le moment où on a parlé là, qui déjà a une interdiction pour ne pas quitter le pays après qu'elle a tenté d'entrer dans le pays Mexique de façon en coulisses, mais Pierre Espérance qui lui-même a été contraint pour que l'été justement rester dans le pays. Donc, Dimi, encore une information de taille, une information de poids. Donc, un pile monde commence là, justement, et il y a un pile joie, surtout Pierre Espérance, une monde qui n'a tête d'oiseau humain, une monde qui dit c'est monde qui a défendu à monde, mais qui a joué rôle, mesdames, tantôt qui dans le secteur politique, tantôt justement qui a regardé le dossier pas en cachette, Dimi. Et puis en même temps, et mesdames, messieurs, bon, faut nous dire, et puis faut nous aller avec toute sincérité, nous toujours dire, hein, Jojo Coquin en gauche,
Jojo a vu une justice, li, mesdames, messieurs. Jojo a vu une justice. Li. Et puis, ça qui a passé là, ça n'a beaucoup rien. Et c'est une raison qui fait que moi-même, personnellement, m'a demandé nous continuer la bataille là. Continuer la bataille là, je n'ai pas besoin qu'on. Comme si dans quel parti politique qu'on sortit, l'essentiel, c'est justice qui fait à l'égard du pays d'Haïti. Ça fait longtemps qu'il a crasé le pays. Ça fait longtemps qu'il a baissé sa munition. Je dis à là, au président qui a assassiné, quand on a supporté, quand on a supporté, il faut qu'on soit capable de gagner courage pour ça, pas gagner place, mesdames, messieurs. Pierre Espérance, nous tout compte qui implication, monsieur était gagné dans la destruction massive du pays. Eh bien, je dis à là, le Kama, moi-même, pas gagner pour me gagner pitié pour monsieur Sayo. C'est pour justement, c'est pour jouer une sanction, c'est pour population. Après justement, sanction ça qui fait là, c'est pour population arriver sous yo. Parce que vraie sanction, c'est sanction peuple là. Peuple là, beaucoup senti nous. C'est pour peuple là, bail monsieur ça au canet rouge. Parce que je dis là, si Haïti dans salier là, c'est yo cause. Si Haïti a tout problème ça, c'est yo cause. Si je dis là, nous même qui dans diaspora, nous dans Freddy, nous psychologiquement, nous dans prison. C'est yo cause parce que c'est les décisions, les mauvaises décisions qui ont été prises par ces hommes-là, hein, par ces agents doubles, par ces traites à la nation, les temps, les arrivés pour nous frapper, mesdames, messieurs. Les arrivés pour gagner des sanctions. C'est pas des sanctions visa, bah, et visa, c'est pas comme ça. C'est, oui, évidemment, pire aux sanctions pour qu'on arrive, mais j'en ai dit, c'est le peuple qui peut parler. Mais pour nous parler de Garibaldo, ça n'a pas étonné nous parce que non, monsieur Sayo, c'est tout le temps absité. Côté que Galil a acheté, Zam a acheté, ministre a acheté pour les jeunes garçons. Et puis nous, et M. Sayo, nous arrivons en phase, qu'on y a là, internationalement, au lieu que vous sanctionnez directement ces gangs, eh bien, vous commencez à attaquer et les élites d'Haïti, ces politiciens, vous commencez à attaquer. Yo, mais, wow, on nous ferait la Lionel. Faut que nous arrivions sur le secteur oligarchique. Oligarchique, faut que nous arrivions sur le frère. On ne faut pas parler de ça.